Il peut y avoir la croyance que c'est facile dans un contexte où toute l'attention est dirigée vers ce silence, que quand on est dans une action extérieure, dans un stress, entre guillemets, de performance, lié à, c'est difficile de s'extraire de situations qui sollicitent. Au niveau du faire, au niveau de... Oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'on va aller rechercher une atmosphère facilitante. Hein. Mais ça n'est qu'une atmosphère facilitante, ça n'est pas la cause. Hein. Il peut y avoir une forme d'attachement à cette atmosphère facilitante et un rejet de tout ce qui va en éloigner. Et à ce moment-là, on reste à nouveau dans un système de conflit. Alors qu'au final, même si on est dans un environnement bruyant et agité, si on accueille, comme on peut écouter maintenant le son des oiseaux, si on accueille la situation bruyante et agitée complètement, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de problème. C'est plus facile, oui, avec des oiseaux, mais... Voilà, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas que des oiseaux. Il n'y a pas que des oiseaux, c'est ça, il y a des gros oiseaux. Il y a des gros oiseaux. Il y a le fracas du monde. Voilà, mais l'approche est la même. Ouais. Ensuite, les travaux pratiques sont parfois exigeants. Et... On peut partir des oiseaux. Mais... Voilà, on peut déjà partir avec commencer avec les oiseaux et terminer avec les bombes. Voilà. Entendre le chant des oiseaux derrière les bombes. Voilà, c'est ça.